Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur Dakar 18. On est sur Xbox One, donc sur la X, mais d'après ce que j'ai pu voir et lire, il n'y a pas vraiment, apparemment en tout cas pour l'instant, d'optimisation Xbox One X ou PS4 Pro. On va voir, peut-être que ça va arriver, mais en tout cas pour l'instant apparemment, c'est pas le cas. Je sais pas ce que c'est que cet écran, j'espère que c'est pas une installation encore. Et que ça va charger assez vite. Donc du coup, Dakar 18, j'avais prévu de le faire à la base, il devait sortir le 11. Et il a été repoussé au 25. Donc je l'ai reçu le 22. Donc il fallait que je finalise d'abord le test de Spider-Man. Et ensuite, je me suis dit, bah, je vais m'occuper de celui-là tout de suite. Comme ça, on mettra la vidéo en ligne tout de suite. Alors, je capture en 1080p, puisqu'il n'y a pas vraiment d'optimisation avec le jeu. Apparemment, il n'y a pas d'histoire de 4K, de machin. Le son est fort dans mon oreille, là. Hi pilot, and welcome to Dakar 18. On this tutorial, we are going to train the basic elements so you can begin our rally raid. Alors, il va nous montrer un petit peu. Ouais, ça, oui, il faut passer tous les points. Every time one of these lights turns on, it means you successfully validated the waypoint, and you should proceed to the next one. Là, ça marche un peu comme le rallye, on va dire. Not all of them are mandatory, but if you reach the finish line with some waypoints which weren't validated, you will suffer penalties that can lead to disqualification. There are several types of waypoints. Most of them are not visible and are only detectable by the navigation GPS provided by. Donc va falloir vraiment faire attention au GPS. It's through the validation of each waypoint that you will be able to discover the stage's route. This allows you to finish each step successfully, avoiding penalties, disqualifications, or even worse, getting lost. Ça, ça sent le jeu où je vais être obligé de faire une autre vidéo, je pense, pour qu'on puisse vraiment voir un peu le jeu là, parce que ça va être compliqué. Ouais. Ok. You have the representation of the kilometer and cap heading repeaters. Whenever you reach the validation radius of a waypoint, it will be verified as valid. When you get to a waypoint location, as indicated in the tulip, the roadbook note will be considered as passed. If the waypoint is not WPC or waypoint control, an arrow will appear between the repeaters. You should follow the direction of the arrow to the waypoint location. Il y a beaucoup de choses à. When in rookie difficulty mode, an extra indicator is added, but only when we're on off track. You should keep the indicator centered because it points you to the location of the next waypoint. This is just a helper for rookies, and it isn't. Bah, je crois qu'on va choisir la difficulté débutant, hein, pour commencer. Have the waypoint index that represents all the existing waypoints in a stage and their respective number. The waypoint number is always corresponding to the roadbook's note number. When a waypoint is validated, the corresponding cell changes to green, and in the case of PCs or passage controls, it changes to yellow. Every waypoint has a validation radius. Remember that the validation of waypoints is mandatory to avoid penalties. Each note in the roadbook is divided in three columns: total impartial kilometers, tulip, and warnings. Roadbook notes are read from left to right. At 18 kilometers, go straight ahead on cap, heading 332, after the palm tree. Attention! Ok, bon, je vais être obligé d'aller ouvrir cette putain de fenêtre puisque j'ai un chat qui gratte. Je reviens tout de suite. Bon,
On se reprend ici. J'ai dû... Donc... Bon, c'est l'accélérateur. Ouh là là. Ouh, la maniabilité, ça a l'air spécial quand même. Il va falloir s'habituer un petit peu. Ah ouais, il y a des rochers, effectivement. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Par contre, je vous confirme, il n'y a pas d'optimisation. Hein. Donc on va essayer de sortir de là. Est-ce qu'on peut essayer de sortir de là? Ouais, on peut. Ok, donc on va ouvrir le menu des réparations. Donc on a des points, en fait on voit ça coûte des points de réparer la voiture. Ok. On peut changer la caméra. Ouais, donc il y a une vue intérieure, une vue route, une vue capot. Oula, une caméra qui sert à rien. Une caméra pour faire des cinématiques, ok. Faites attention au gameplay. Hein. Mais on voit que c'est pas un jeu optimisé parce que, bon, c'est pas méga beau déjà. Et puis c'est surtout... c'est pas méga fluide, enfin... Bah là je suis bloqué, comment je fais? On peut sortir du véhicule. Bah ouais, enfin là, c'est pas que je... No time to stop and smell the flowers. Ok, on peut faire ça. No time to stop and smell the flowers. Bah non, je sais bien qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour cueillir des fleurs, mais là, la bagnole, elle est bloquée. On va retourner là. Donc là, quand on est bloqué comme ça, c'est mort, quoi. On va se mettre un petit peu en caméra intérieure. Et on va rouler tranquillement, parce que le gameplay, il faut s'y faire, hein, quand même. Ah, puis franchement, le mec qui vous parle en anglais comme ça, lire les sous-titres tout petit en bas de l'écran avec tout ce qu'il faut regarder en même temps, c'est un petit peu compliqué. Quand même, hein. Oh putain. Ça freine pas terrible, hein. Faut vraiment s'habituer, ça glisse et tout. Sur le gameplay, faut vraiment apprendre, je pense, à doser l'accélérateur, le frein et tout. Va falloir faire attention. Parce que ça va pas tout seul, hein. Cap 0. Elle n'est pas facile à tenir le cap 0. Hein. C'est à peu près comme ça. Ouais, vous voyez, c'est sympa les décors et tout. On peut vraiment aller faire du hors-piste. Bah, je sais pas moi.
Moi, tu me dis tu le cap zéro, mon pote, je le suis, le cap zéro. Le petit radar en haut, je pense que sans tout ça c'est compliqué. Hein. Après évidemment c'est pas un jeu qui s'adresse à tout le monde. Hop, non, va-t'en toi le chat. Ah donc on revient comme ça au menu. Ok, bon. On est obligé de se taper ce tuto, on peut pas faire ce qu'on veut là. Sans déconner. Bon. On a réussi à passer. Par contre, je peux pas lire les trucs du mec en bas, c'est pas possible. Hop, on va se mettre un peu en vue. En vue intérieure, y'a pas d'essuie-glace ou on peut pas gérer ça? Parce que dis donc, au bout d'un moment. Ça doit bien être possible, je pense. 1K, keep pushing. Go, go. Parce que là, j'avoue, on va pas se mentir, on voit pas grand chose quand même. Quand tu veux pas briser les crados. Alors. Avec cette vue route, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de sensations. Let's try again and beat the time of another competitor. Ouais, bon après je suis dernier, mais ça on s'en fout. Non, on va continuer. Vers le menu. Donc il y a du multijoueur. Alors vous voyez par contre il y a du multijoueur en ligne et en écran splitté, donc c'est pas mal. Donc il y a un mode entraînement, un mode tuto et chasse au trésor. Donc je ne sais pas, ça a l'air bloqué pour l'instant, donc je ne sais pas trop. Un mode de classement. On va aller voir un petit peu les options. Les commandes. On peut les voir ou... Rétrograder, sortir du véhicule, frein à main, notebook, faire défiler les kilomètres, phare... Ah, phare et essuie-glace. Donc voilà, on pouvait... Donc... Utiliser les essuie-glaces. Et donc la nouvelle partie, à mon avis, on peut choisir... Donc voiture, moto, camion, quad. Et ces machins-là, c'est ce qu'on devait avoir tout à l'heure. Donc, je serais bien d'avis maintenant de choisir un truc genre moto ou quad. Histoire de voir un petit peu un autre gameplay. On va prendre les motos. Là, on s'en fout. C'est vraiment juste pour... On va prendre une IAM, tiens. Ouais, je m'en fous, allez, n'importe. On va se mettre en débutant. Non, allez, on continue. Roadbook complet, poste de pilotage, transmission automatique. Donc, ce qui est pas mal, c'est que donc, vous voyez, on a quand même des réglages sur les motos, tout ça. Enfin, sur les véhicules, visiblement. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, après... donc là, on va partir du Pérou. Ouais, ce que je comprends pas, c'est que ça s'appelle toujours le Paris-Dakar, mais c'est plus Paris-Dakar, quoi. Et donc, bah ça va être toutes les étapes qu'on va avoir à faire, certainement, pour venir à bout du truc. Donc,
Je pense que c'est plutôt sympa en termes de durée de vie. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous passionne et tout. Moi, je verrais bien si j'arrive vraiment à rentrer dans le truc et tout. Là, comme ça, je peux pas vous dire. C'est pas quelque chose qui me passionne spécialement à la base, mais j'étais curieux en fait de voir ça, puisque j'avais choisi ce mois-ci soit Verali, soit celui-là. Et Verali, bon. Verali, il offre du Gymkhana, du Rallycross, voilà, enfin, des choses qu'on a déjà vues dans WRC, dans Dirt Rally, dans Sébastien Loeb Rally Evo, enfin voilà, des trucs qu'on a vus ces dernières années déjà dans tous les autres jeux. Donc je me suis dit je vais faire plutôt Dakar. Maintenant, ça veut pas dire que je vais forcément bien rentrer dans le truc et bien aimer, mais bon, on verra bien. Bon, le temps de chargement est un petit peu long, je trouve. Après, je suis pas sûr qu'il y ait eu un super gros budget pour ce jeu non plus, parce que en même temps les mecs doivent se dire que c'est peut-être un truc qui va se vendre seulement pour certaines personnes, quoi. C'est vraiment un truc de niche un peu. Donc je pense que le budget était un peu limité. Moi, là, je vous fais une vidéo, c'est vraiment une découverte, comme vraiment un amateur, quoi. Je suis absolument pas spécialiste du Dakar, je suis absolument pas. Voilà. Faut vraiment voir ça. On va se faire une découverte. Je serai loin de vous montrer tout ce qu'il y a dans le jeu aujourd'hui, c'est pas le but. C'est vraiment une découverte. Donc là, on a. C'est un petit peu compliqué, hein. Je trouve, je sais pas, ils nous disent qu'ils ont bien travaillé la physique et tout, mais moi je la trouve très bizarre la physique. Alors je sais, je suis en train de me barrer à un endroit où il faut pas, mais le waypoint il est marqué là-bas. Oui, on a l'impression de faire un peu du surplace avec la moto quand on veut tourner et tout. C'est un petit peu. Après, on est dans du sable, hein, donc je comprends tout à fait, mais. Allez, on va pas se remettre cette cinématique. Bon. On va essayer une autre vue, tiens. Donc là. Ok. Là. Ok. Et là. On va aller par là. Parce que d'après ce que je peux lire, c'est par là qu'il faut aller. La caméra avec la vue hélicoptère, c'est assez spécial, je trouve. Enfin, ça me paraît compliqué de jouer comme ça. Vous voyez là? Le radar, j'ai l'impression qu'il me dit de faire demi-tour. Par moment, je suis perdu très rapidement là. En fait, faut réussir à bien se repérer avec le radar, avec la caméra aussi, c'est un peu compliqué à gérer avec les dunes et tout. C'est, en fait, je pense que c'est vraiment un jeu où faut avoir la patience de prendre en main, avoir la patience de comprendre comment tout marche, comment se repérer et tout. Et encore là, bon, j'ai choisi le mode débutant exprès. Parce que si on choisit pas le mode débutant, là, on doit se taper tout sans aucune indication, à part le roadbook. Et donc, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je vais tenter la dune là, mais à mon avis, c'est une idée de merde. Ah non, ça passe. Ouh là là, par contre, oui. Bon, ça passe.
J'ai cru une idée de merde, mais c'est passé. Oh là là. On a tapé un petit peu la barrière. Bon, ça n'a pas l'air très très grave là pour le coup. J'ai la moto peut-être qui va finir par péter un peu si je fais ça par contre. On va essayer une autre caméra. C'est vrai que par contre on a quand même des sensations dans ces caméras-là. Mais le gameplay est, je sais pas, assez spécial, c'est assez rigide. Il y a des traces ici. Parce que je m'entête à vouloir absolument passer tout droit là, mais on va peut-être suivre les traces de temps en temps, ça peut peut-être aider. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt original, on va dire, ça change des jeux sur le Dakar comme ça. Il me semble bien que les derniers que j'ai pu voir, c'était sur GameCube, PS2, GameCube, enfin cette génération-là. Je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, sur PS3, tout ça, il n'y a pas eu. Ça change, voilà, c'est quelque chose d'original. Après, ça, on va pas se mentir que là, c'est pas super beau, c'est pas techniquement, c'est pas fou, c'est pas sans être horrible, c'est pas non plus fou. C'est pas, le gameplay, je le trouve un peu rigide et tout ça, mais ça a l'air quand même relativement complet. Et je pense que des gens qui suivent vraiment le Dakar et qui aiment vraiment ça, ils ont moyen de s'amuser, surtout qu'on peut jouer en multi, en écran splitté, surtout. Et ça, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. On va changer un petit peu de caméra. C'est quelque chose de rare aujourd'hui, donc moi, je dis pourquoi pas. Après, peut-être pas au prix neuf là. Ouais. C'est un concurrent là-bas? Ah ouais. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ouais, j'ai un concurrent là. On va aller par là-bas. Puis à la fin de cette épreuve, on s'arrêtera hein, parce qu'on aura passé la demi-heure. Après, je vais faire. Là, je vous dis, on va passer la demi-heure, c'est parce que j'ai pas fait les quelques coupures au montage que je dois faire, parce que on sera peut-être plus à la demi-heure une fois que j'aurai fait mes coupures, mais bon. Je préfère m'arrêter à peu près une demi-heure. Parce qu'après, ça fait un peu long pour le YouTube d'aujourd'hui. Puis bon, ça fait long aussi pour le montage, pour l'upload. Ça fait long pour tout en fait. Du coup, regardez, vous voyez là, c'est très bizarre. Après, je comprends, on est sur le sable. Hein, mais je sais pas, même visuellement, la sensation est très, très, très bizarre. Oh putain! Je me suis éclaté juste à la fin, heureusement. Je me suis éclaté juste à la fin et je ne suis pas voilà, ridicule en termes de temps. Enfin, je suis pas ridicule, disons que je suis pas dernier. C'est plutôt déjà pas mal. On va faire continuer. Mais on va s'arrêter là. On va attendre la fin du temps de chargement, voir ce que ça me donne. Mais à mon avis, ça va m'envoyer directement à la deuxième étape, je pense. Et ce que je veux voir, c'est une fois arrivé à cette deuxième étape, est-ce qu'on peut sauvegarder là et quitter en fait?
Mais je pense, oui. On va essayer de tout réparer parce que là... Ma pauvre moto, elle a pris cher. Quand même. Là, il y en a 42 sur cette spéciale. Mais bon, ils disent 271 km, mais... Enfin, si ça va aussi vite que l'étape précédente, finalement, 200 km dans leur étape, là, c'est dans leur truc, c'est assez... C'est assez, comment dire, assez court au final. Parce que si là j'ai fait la première étape, je sais pas de combien de kilomètres elle était, je me rappelle plus, mais bon. Ah ouais, non, regardez tous les points qu'il y a là. Ah ouais, non, la première étape, elle était... C'était de la rigolade. Effectivement. C'était drôle par rapport à là. C'était même carrément pourri par rapport à cette épreuve-là. Parce que là, oui, 42. Bon, écoutez. J'ai dit qu'on allait s'arrêter là, donc on va s'arrêter là. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.